Nous abordons maintenant une autre phase, à savoir la publication des listes électorales provisoires qui va avoir lieu du 9 au 12 décembre, en même temps que l'inscription au roll, l'inscription partielle au roll. Cet enrôlement partiel concerne surtout les personnes rapatriées qui n'avaient pas eu le temps de se faire inscrire lors de l'enrôlement qui a eu lieu avant le référendum constitutionnel. Et nous avons déjà discuté avec l'administration qui nous a promis de pouvoir faciliter l'obtention des cartes d'identité, notamment pour les personnes rapatriées. Que ces personnes rapatriées vraiment viennent se faire inscrire pour qu'ils soient ensuite sur la liste d'autres électeurs et pouvoir ainsi participer aux élections de 2020. Nous demandons donc à toute la population d'abord de venir consulter les listes électorales provisoires qui seront affichées du 9 au 12 décembre pour voir si leurs noms sont toujours sur les listes, si leurs noms sont correctement écrits, pour que, si besoin est, si jamais ils ne retrouvent pas les noms, ils puissent, n'est-ce pas, s'adresser à l'agent d'affichage qui sera là pour pouvoir, n'est-ce pas, remédier à la situation.